Allô YouTube! Alors, parce que Battlefleet c'est trop bien et que j'ai envie de poursuivre, nous allons faire une découverte sur les tyrannides qui ont l'air assez fun à jouer. Alors déjà, j'ai pu personnaliser un peu la campagne au niveau difficulté. Je suis parti sur un niveau de difficulté moyen, sauf que j'ai désactivé le délai. C'est très paramétrable d'ailleurs, regardez ça. C'est vraiment top. Donc là j'ai mis niveau de difficulté moyen de base et je désactive juste la jauge d'urgence. Pour ne plus avoir cette espèce de timer que j'aime pas trop. Et avoir le temps de faire les choses et de poser la campagne. Bref. Les tyrannides, qui visiblement se déplacent en consommant les mondes et puis du coup en passant de l'un à l'autre. Donc en fait, on va jamais trop s'installer pendant longtemps. Mais par contre, on doit constamment être en évolution, j'imagine. On peut également envoyer des forces d'avant-garde pour aller affaiblir les mondes avant de les défoncer. Et... déploiement de tentacules. Le joueur tyrannide peut utiliser les structures suivantes pour défendre les systèmes qu'il contrôle. Bassin de valorisation, nuage de sport, mine, nid de gestation, monde couveuse. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et on va voir ça. Avec encore du lore. The Tyranids. The Great Devourer. In all the stars, there has never been a Xenos race more inimical to the survival of mankind. Indeed, they are the bane of all other life. Their origins are but poorly understood. The stuff of rumor and supposition and nightmare. The adepts of Mars believe that a single unknowable consciousness guides the high fleets about their voracious purpose. This consciousness knows only unquenchable hunger. Hive ships serve as synapse nodes, spreading the influence of the Tyranid hive mind across the stars. Such is the hive mind's suffocating will that the warp is distorted for light years around. Confusion and terror spread before the high fleets advance as dreams darken and madness spreads. As the high fleets advance, the suffocating embrace quenches the Emperor's light and drowns doomed worlds in psychic shadow. But the greatest threat comes from within. Foul creatures known as gene stealers infiltrate unvigilant worlds. A patriarch arises from the population's subverted flesh and projects a psychic beacon to draw the Hive Fleet ever closer. As the gene stealer cult grows in power, they emerge from the shadows of their benighted world. Civil war rages, shaking the planet asunder. Then the skies darken with spores and the High Fleet's voracious tendrils. The cultists exult at the fulfillment of prophecy and their ascension into the light. Their delusions die with them. Oh. There are many High Fleets, each but a facet of the immeasurable Tyranid threat. Leviathan is the greatest. And has wrought ruin on a scale never before witnessed. Though the great rift arising from Cadia's ruin has severed many of Leviathan's tendrils, many more remain. Even now, one is surging towards the Eye of Terror. Oh, mais le lore 40K est tellement stylé. C'est quand même ultra, ultra classe. Moi, j'adore. Je suis en train de bouffer du lore sur les Iron Hands pour le moment. Et plus j'en lis, plus j'ai envie de découvrir sur l'univers. C'est incroyable. C'est trop bien.
C'est quoi le rapport entre le chaos et les tyrannides? Il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de rapport en fait entre le chaos et les tyrannides. Unidentified signals approaching, Admiral. My thanks, Admiral Spire, for bringing more souls to feed the grandfather's cauldron. I need no support to crush the likes of you. Qu'est-ce qui se passe? Magos, identify those ships. No! Those aren't Imperial! Oh, c'est le chaos qui se fait défoncer! All hands, stand to battle stations. This isn't over. Déploiement tyrannide, coque voilée. Tous les vaisseaux tyrannides sont en mode furtif au début de la bataille. Oh! D'accord. Attendez! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est censé être des petites bestioles qui tournent autour? Et alors quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme capacité? Alors, balayage. Ouais, d'accord. Ah, ils ont des tourelles aussi. Ça, c'est quoi? Tentacule de nutrition. Oui, j'ai la même. Have you a reading on our newcomers? Auspex confirms tyrannid vessels. Vanguard configuration. Tous les vaisseaux tyrannides possèdent la caractéristique technique adaptation qui leur permet de se déplacer librement dans les champs d'astéroïdes, les tempêtes de plasma ou les éruptions solaires. Oula, on peut se déplacer où on veut, comme on veut. Les escorteurs tyrannides disposent de l'explosion de spores qui leur permet d'exploser à tout moment en créant un champ de spores mine, endommageant et ralentissant les vaisseaux ennemis. Quoi ? Ah ouais ? Mais du coup, on peut faire la poussée. Ça donne quoi une poussée avec les tyrannides? Oh la vache! Glande surrénale. Lorsqu'elle est activée, cette compétence porte le temps de l'activation actuelle poussé à 5 secondes. Oui mais attends! Oh putain! Je sais pas si c'était une très bonne idée. Oh, ça les ralentit complètement, mais il peut plus rien faire. Attends. Ah, dommage. Vas-y, mange-le. Bouffe-lui le cul. Tentacule accroché. Mais qu'est-ce? Ah bon? Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Ah ouais, d'accord, le... C'est pas leur truc, hein, la distance à eux. Et ça, c'est quoi? Torpille bio. Va manger ça, toi. Je sais pas ce que je fais, hein. Ne me demandez pas. Hein. Mince. Trop loin encore. Poches de frais. Lorsqu'elles sont activées, les poches de frais régénèrent entièrement les troupes dans le mode d'effectif du vaisseau en cours. Qu'est-ce que c'est? Our hull is heavily damaged. Reading cataclysmic structural failings in all. Ah oui, j'en ai qui se grattent. Très bien. Fight on. We cannot let them triumph. With respect, sir. They've already won. No sense piling death on top of disaster. You are correct, Commodore. Allez, vas-y, fais-moi rêver. May the Emperor prove us. C'est oui, c'est oui, c'est oui.
Quoi? Ah, c'est des trucs torpilles bio, en fait, ça crée un assaut. Oh. Wow, mais la puissance du choc, quoi. Attends, foutez-moi la paix. Stop. Oh que c'est triste. Alors ça c'est quoi? Tentacule de nutrition. Selon le tonnage du vaisseau assaillant, applique une action d'assaut à la cible toutes les 6 secondes pendant 12 secondes. C'est-à-dire? Ouais. Attendez, il y en avait un qui pouvait... Voilà. Il l'a fait sa tentacule machin là. Ça a pas marché. Ah je vais le louper. Faut vraiment approcher par contre hein. Bassin de valorisation. Lorsqu'elle est active, cette compétence restaure une charge pour chaque arme utilisant des charges à bord du vaisseau. Ah ouais d'accord, l'assaut reprend un truc. Oh merde, putain c'est vraiment rapide. Bim. Putain. C'est trop bien. Ouais mais effectivement ça se joue tellement pas de la même manière. Oh là là, les auto-tamponneuses. C'est si bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce plaisir. Regardez-moi ça. Qui n'a jamais rêvé de se faire attaquer par une chlamydia de l'espace? C'est quand même magnifique, hein. Quel plaisir. Ça, effectivement, c'est complètement différent de l'Imperium, mais ça doit être bien marrant. On va se marrer. Merci, Pimoutette, pour le Prime. Bienvenue à toi. Mais alors, par contre, les charges sont monstrueuses et plus faciles à... Enfin, ouais... Plus facile à placer dans le sens où, vu que ça va très très vite, vraiment, on peut choper un vaisseau assez facilement. Mais par contre, il faut être plus près. Il faut clairement être plus près. Assimilation planétaire. Une fois capturé, le système est lentement dévoré. Il faut 3 tours pour dévorer un système. Une fois le système dévoré, les tyrannides gagnent de la biomasse, qui peut être utilisée pour construire des vaisseaux ou des structures. Ah oui. I see. I have the matter. Be not so easily distracted from your goal. A ship you shall have, but the chaos threat at Cadia remains your focus. Am I understood? Yes, Inquisitor. Lord Inquisitor, our forward explorer. Not very impressive. There is no shortage of such at present. Confirmed. However, this organism is unlike any other so far encountered. And the disruption to the Hive fleet. Ils sont en train de se bagarrer pour savoir s'ils doivent repousser l'invasion du chaos ou se tracasser des tyrannies. Non, tracassez-vous du chaos. Alors, le réveil du dévoreur. A l'aide de l'Inquisition, le Magos Numérian a localisé et envoyé des flottes pour éliminer et disséquer l'Ancient One. Le vaisseau mère transmettant les ordres de l'esprit de la ruche à tous les vaisseaux tyranniques de l'Aegis. L'Aegis Ocularus, oui. S'il venait à être détruit, les tyrannides retourneraient à l'état sauvage au sein d'une société désorganisée et vulnérable. Ils veulent empêcher cela à tout prix. Terminer l'opération spéciale dans le système fosse de Menshiro du secteur Bellis Corona. Ok, donc je n'ai plus la jauge. Oh, quel plaisir de pouvoir désactiver ça. Donc, une fois capturé, il faut 3 tours pour bouffer tout un secteur, enfin tout un monde, et récupérer de la ressource.
Les tyrannites peuvent construire des tentacules au sein de systèmes via la vue du système. Vous pouvez retarder les attaques visant vos systèmes grâce aux nuages de spores mines, construire des biovaisseaux avec des nids de gestation, récupérer une petite quantité de biomasse à chaque tour grâce aux bassins de valorisation, ou encore régénérer vos flottes avec les mondes couveuses. Vous ne pouvez choisir qu'une seule structure organique par système, mais vous pouvez en changer à tout moment. N'hésitez pas à passer la souris sur les autres structures pour en avoir plus, pour en savoir plus à ce sujet. Ce monde ne peut pas être consumé par les tyrannides. C'est indigeste. Ah, ah ouais, il y a des mondes qu'on peut pas bouffer, mais là par contre... Ah ouais, il y a plus de possibilités de créer des trucs. Donc là, c'est quoi? Bassin de valorisation. Le bassin de valorisation permet aux tyrannides de gagner 10 de biomasse à chaque tour. Cet effet est cumulable. Nuage de spore applique un délai de 1 tour pour chaque invasion ou assaut ennemi. Le monde couveuse régénère entièrement les troupes et répare totalement les flottes tyrannides stationnées dans le système. Et le nid de gestation permet aux tyrannides de construire des biovaisseaux. Ok. Alors, on a du chaos par là. On a de l'impérium par là. Encore du chaos là-bas. Ah, et ça, c'est à moi. Merci d'avoir rejoint. Merci, Desiran, pour les 4 mois. Le corona est indigeste, oui. Il semblerait. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire, moi? Terminer l'opération spéciale. Ah! Yeah, mon truc qui se déclenche. Mon onduleur qui fait des... Parce qu'il se passe sur le réseau, mais il se passe des trucs. L'onduleur s'active. C'est une bonne nouvelle. Bah du coup, je suppose que je vais faire ça direct. The Imperium of Man. A galaxy-spanning empire in decline. Once humanity stood on the brink of taming the stars, a golden age of light and glory beckoned. But men have ever been prone to temptation and lured to stubborn pride. Now the Space Marines, intended as the vanguard of mankind's ascension, fight ceaselessly to prevent their father's work sliding into ruin. The Adeptus Mechanicus, custodians of wondrous technology, take to the stars in hope of unearthing lost secrets from the very darkest of ages, and to impose the Omnissiah's will upon a scattered galaxy. But nowhere is the Imperium's might more plainly seen than in the vessels of its star-spanning navy. As war rages, colossal warships slip anchor to smite the foe with the righteous fury of the faithful. Such vessels are both Imperium's stalwart shield and gleaming spear, shining in the impenetrable dark of space. It takes more than a man to command such a warship. It takes a hero, strong in will and unflinching of purpose. Without such heroes, the Emperor's light would surely wane. Admiral Spire is one such hero, forged in the hallways of the vaunted Schola Progenium, tempered in the cursed days of Abaddon's 12th Black Crusade. Long has he been lost, but now, freed from the Immaterium's clutches, he returns to shed his blood in the Emperor's cause once more. Any who seek to sweep mankind from the stars must first reckon with Spire. Many have sought his head. All have failed. But one hero alone may not be enough to change the Imperium's fortunes. It will take thousands, even millions, for mankind to reclaim its footing in the Eye of Terror's gaping maw. And millions more to hold it. Such a task will not be easy.
Arcadia is demon-hunted rubble, and the Imperium itself is scarred, torn in two by the Cicatrix Maledictum. But it is the nature of heroes to triumph in adversity, and of faith to flourish in the dark. Oh là là. Je viens de remplir mon slip deux fois sur une seule cinématique. C'est trop bien. C'est vraiment bizarre que ce jeu, on n'en parle plus du tout. Enfin, est-ce qu'ils sont en train de préparer un 3 ou des extensions pour le 2 ou pas? Ils sont très taiseux quand même pour l'instant. C'est pas si... Ce serait cool qu'ils bossent sur un 3. J'ai plus ma souris. Au secours! Oh, la taille du machin! C'est le même que celui que... Genre, madame? Ah, voilà. Dans cette mission précise, l'ancien... Bon, l'ancien, on va l'appeler l'ancien, faites pas chier. Rejoins votre flotte régulière, déplacez-le pour détruire les vaisseaux ennemis avec l'effet de spore de son bouclier ou éprenez-les. Ah ouais. C'est qui? C'est lequel, l'ancien? Summon the Elector Counts. Non, c'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là. Bon, alors par contre, analysons un petit peu plus, parce que là... merci Brainsteam pour les 9 mois. Mais il est censé être quelque part sur la map. Il va peut-être me rejoindre après. Alors... Alerte impact, sens du ciblage, ça pareil, c'est augmenté de 50%, rechargement, ça c'est comme pour l'Imperium. Glande surrénale, lorsqu'elle est active, cette compétence porte le temps de réactivation actuel de poussée à 5 secondes. Ok. Donc on peut réactiver ça, donc en fait on peut vraiment faire boum boum quoi. Et ça c'est cool. Poche de frais, lorsqu'elles sont activées, les poches de frais régénèrent entièrement les troupes dans le mode d'effectif du vaisseau en cours. Les troupes, donc ça remet l'assaut à fond. Ok. Bassin de valorisation, lorsqu'elle est active, cette compétence restaure une charge pour chaque arme utilisant des charges à bord du vaisseau. Donc pour les armes ici. Ok. Donc en fait, tout ça, c'est pour régénérer les autres capacités. Les armes, tentacules de nutrition, ça j'ai pas bien vu ce que ça faisait tout à l'heure parce que je pense que l'autre vaisseau que je ciblais était furtif, du coup ça n'a pas marché. Selon le tonnage du vaisseau assaillant, applique une action d'assaut à la cible toutes les 6 secondes pendant 12 secondes. Donc en gros c'est on vide les troupes d'assaut dans le vaisseau adverse quoi. Là par exemple j'ai 14 troupes, il va vomir des troupes tant que j'en ai quoi. Exécuter cette action sur un vaisseau qui rompt le combat annule le saut warp. Ouais. Un vaisseau ennemi, ah oui, ça le marque aussi. D'accord. Et tentacule accroché, la cible est tractée vers le vaisseau tyrannide, subissant 50 points de dégâts. La distance de traction dépend du tonnage du... Ah ouais, d'accord. Oui, logique. Carapace à pointe, lorsqu'elle est active, des aiguilles poussent sur les flancs du vaisseau, infligeant 200 dégâts, ignorant les boucliers au vaisseau ennemi le plus proche dans un rayon de 4500 unités. Les aiguilles ne traversent pas les vaisseaux. C'est énorme, ça. D'accord. Alors, lui, c'est... Non, c'est pas le même. Ça, c'est pareil. Ah oui, il y a les torpilles qui envoient des troupes sur l'ennemi. Rôdeur du vide. Permet à un vaisseau ruche tyrannide de se réorienter et de warper vers un emplacement prévu à une distance de 9000 unités. Une fois ceci activé, le vaisseau tyrannide disparaît pendant 2,5 secondes, puis réapparaît à l'emplacement. Ok, si n'importe quel type de pince est utilisé dans les 5 secondes suivantes, les dégâts augmentent de 10%. De pince? Comment ça de pince? Merci Bob pour les 8 mois. Super taf, continue comme ça. Par contre, faut arrêter de hyper les gens sur les figues Warhammer 40k. Toutes mes excuses. Alors là, il y a deux types de... Deux vaisseaux différents apparemment, il y en a un avec des biotorpilles, balayage et glandes surrénales.
Et alors celui-là, glande surrénale, balayage, et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment les, c'est des auto-tamponneuses, quoi, ceux-là. Et alors, c'est lesquels qui peuvent faire le... Ah ouais, explosion de sport. Ok, tous les petits. Tous les petits, ils ont l'explosion de sport. Donc il vaut mieux faire péter un truc en explosion de sport plutôt que de le perdre. Oh, il y en a qui n'ont pas de bouclier! Ces deux-là, ils n'ont pas de bouclier? Ah oui! Bon, d'accord. Mais alors, ils ont aussi des tirs artillerie pyroacide légère. Ils tirent devant lui à 9000 unités. Écoutez-vous, vous allez tous vous mettre en mode sens du ciblage. Attendez, parce qu'on m'annonce déjà des choses. Outre des actions d'abordage incroyablement puissantes, l'ancien possède aussi d'excellentes compétences techniques, comme le cri psychique ancien ou le canon à bave, qui sème le chaos chez les vaisseaux ennemis. Ah, il est de l'autre côté, je pense. Rapprochez vos flottes au plus près de l'ancien pour assurer sa défense. Ah ! Mais il est gigantesque ! Mais regardez ça, il rentre même pas dans le cadre ! Alors qu'est-ce qu'il a lui ? Cri psychique ancien. Les vaisseaux ennemis pris dans un rayon de 9000 unités autour du vaisseau subissent une perte de morale de 2000. Ouf. Assaut. Essaim Harpie. L'escadrille peut être envoyée vers des vaisseaux ennemis. Ah ouais, d'accord, c'est une escadrille. Et ça fait quoi? Ça, c'est des bombardiers? C'est des... Ah, ils attaquent les autres escadrilles, les torpilles, les tourelles ennemies à proximité. Ah, et les tourelles! Ah putain, c'est bon à savoir, ça! Donc les chasseurs attaquent les tourelles. Merci Ebolam pour le Prime. Alors ça, c'est escadrille. Elle ouvre le feu sur les escadrilles et torpilles ennemies. Lorsqu'elle atteint un vaisseau ennemi, elle applique une action d'assaut. D'accord. Ah mais tous, en fait, ils ouvrent le feu sur les vaisseaux ennemis et les... Et les trucs, d'accord. Canon à bave. Oula, c'est très, très proche. Créer un cône d'haleine assis dans ligne droite à partir de la proue du vaisseau amiral. Ça n'a rien d'extraordinaire, je sais le faire aussi. Chaque vaisseau a une portée de 4500 unités, subit incendie à bord. Ok. Et ça, c'est quoi? Retraite de l'escadre. Ah oui, oui. Alors, on va lui faire gagner un peu de portée. Et il a juste une baie de lancement, donc lui, il ne tire pas. Oh, la taille du bousin, quoi. Bon, alors par contre, faut que tout le monde trace, hein. Bah, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde en auto-ciblage. Voilà, comme ça ils vont tous venir. Alors, attends mon gros. Ok. Est-ce qu'on peut gratouiller Non mais lui aussi il a ça. Ah non, il l'a pas. Et qu'est-ce que vous faites? Regardez ça, la taille du truc! Ah, il a pas encore fait son cri. Oui, vas-y, viens! Oh, la taille du truc!
mais putain. Mais Bru. Varin, where are you? We must combine fire and rain the Emperor's fury down. Ah merde, ça déclenche tout de suite. Confirmed. Our real space re-entry was misaligned. Closing on your position now. Faster! We must not fail! Rerouting power to artillery base. Wouah, comme il défonce tout! Conservateurs uploading bombardment protocols. Allez, touche-le! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mes trucs! Hop là! Allez, attrape-le avec tes grosses tentacules! Oh, il est en train de se faire éclater celui-là, ça sera bientôt une épave. Allez, tourne mon gros! Par contre, il peut vraiment pas. Épave, hop là, tout de suite, il a retransféré des troupes dedans. Tourne. Allez, allez, allez! Il y a un niveau d'incendie. Donc là le... C'est pas le même gameplay hein. C'est pas vraiment le même gameplay. Oh nom 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 nom. Ah bah oui, prends le petit avec. Putain. Voilà là, mais c'est si stylé. Il l'a mangé. J'ai mangé le vaisseau. Bah, il en reste. Ah ouais, il y a des trucs invisibles. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Attendez, vous. Merci Steampack pour les 8 mois. Et El Choupa capable pour les 10 mois tiers 2. Encore un mois et la cousine arrive à terme. Merci, c'est pour ces problèmes d'enfoiré. Merci à toi. Ah ouais, rebalance ça. C'est ouf ce truc. Donc bassin de valorisation. Ah ouais, voilà, ça, ça redonne le fameux canon à bave. Ah mais l'incendie de fou quoi, regardez ça. En fait, il est déjà foutu. Hein. Il le sait pas, mais il est déjà foutu. Hein. Alors, essayons. Je sais pas si je suis à portée là. Oh la vache, il a pris des dégâts quand même. Ce serait bien de lui envoyer des... C'est bien de leur envoyer des choses quand même, tiens. Lance ta tentacule toi. Oula, il y en a encore qui arrivent. Ok, on va protéger un peu celui-là. Putain, mais c'est trop bien. J'adore ça. Ah non, pas ça. Un coup dans le cul, là. Raté. Glande surrénale, c'est ça qui ramène à 5 secondes. Alors dégage toi. Attendez, attendez, attendez. Ah ouais, la fameuse carapace à pointe. Vas-y, décroche-toi de là. C'est hyper pratique pour se barrer en vitesse aussi. Hein. C'est lequel qui peut faire un saut dans le warp ou je sais plus quoi. Bon, je crois que... On va achever celui-là. Merci The Overvolt pour les 9 mois.
et Fidelia pour le sub. Bienvenue. Voilà, comme ça. Ah là, je l'ai pas bien eu, je lui ai mis que deux niveaux de, d'incendie, mais bon, ce sera suffisant. J'ai pas perdu un vaisseau, moi. Ah si. Tiens, toi. Vas-y, claque ta glande. Et là, c'est la spore. Donc. Merde! J'ai pas eu le temps. Ah, mais quand il meurt, ça le fait automatiquement! Oula, il y a encore du monde! Vas-y, décroche. Oh, lui, il est pas bien. Je crois pas que ça va marcher. Non, pas là. Ah, je sais pas quoi faire, attendez, pause. Pousser à 5 secondes, non, ça, ça m'intéresse pas. Les poches de frais régénèrent entièrement les troupes. Non, bassin de valorisation pour les attaques. Ah merde, ça c'est cassé. Ah mais du coup, il n'y a pas de réparation. Autre chose, ça. Va falloir un peu tout faire avec, avec le gros là. Merde, il est mort lui. Ouais, bah, je crois que ça passe. Bim! Le frontal, putain. C'est si bien. Ça, c'est tellement fort comme truc. Oh, j'ai loupé. Donc lui, il va perdre son moral d'un coup. Hop là. Ok. Alors, je vais m'apprêter à définitivement détruire celui-là. Ok, ça m'a coûté le vaisseau. Ah, mais ça a tué l'autre. D'accord. Il reste plus que lui et il est très mal. Moi, il me reste quand même beaucoup de points de vie. Ah non, il est toujours là, l'autre. Eh ben, c'est parfait. Et voilà. Ça a fonctionné? Ah oui, voilà les trucs qui attaquent. C'est bon! Il reste plus que lui, mais il s'en est sorti. Alors par contre, je sais pas si ce gameplay à base de j'envoie des vaisseaux se suicider pour créer des nuages de spores et faire du dégât un peu en mode kamikaze,
Je sais pas à quelle vitesse les tyrannides répondent des vaisseaux en fait, parce que j'ai l'impression que le gameplay tyrannide c'est partiellement ça. Ah oui, j'ai tout perdu. Ok. Projections indicate total destruction. And this prized bio-vessel, it endures. So much for the mighty. Merci beaucoup pour les 1000 bits. Merci pour le don anonyme. Merci beaucoup. Nya, 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 nya. Ah mais du coup j'ai plus de flotte. Inquisitor Darkhammer, already Nemesis Tessera feels the claws of those monstrosities. And ah si j'ai encore une flotte. Imperial Navy has abandoned us. Where is Admiral Spire? On other duties. Duties, I might add, that are necessitated by a laxness of faith, by a lack of leadership from the adept. Well, yes. One cannot hold heresy at bay without resource, Inquisitor. Indeed. And it is so with the Tyranids. Gird your valor. Capturer le système Shima Lomas. Ouais. La vue de la galaxie permet de naviguer là, oui. Mais Shima Lomas, c'est genre... C'est là? Ah oui. Ok, sauf que maintenant, vu que je n'ai plus la jauge d'urgence, je peux le faire avec le temps que je jugerai nécessaire. Bon. Mais oui, ça, oui. Shut up, demon. Et tous ces vaisseaux sont en pleine forme. Ah, c'est ce que je viens de récupérer. Merci Dremix Smoot pour les 3 mois tier 3 que mon abonnement ait droit à l'Omnifion. Wait. Merci beaucoup. Et merci pour les 100 bits, Fidelia. Petit soutien pour ces streams de qualité. Hâte de te voir à plein temps. Ah, moi aussi. Merci beaucoup. Ça a quand même l'air giga fun. Hein. Tyrannide. Oh, j'ai tellement envie de voir les gros vaisseaux qu'on va pouvoir se faire après. Non, attendez. Est-ce que déjà cette flotte... Ah ouais, j'ai 600 balles quand même. Voilà, il y a du choix. Hein. Il y a du choix. Par contre, les petites frégates, là, vraiment l'impression que c'est des trucs qui vont être beaucoup plus difficiles à maintenir en vie que l'Imperium. Parce que autant l'Imperium, les petits vaisseaux, ils pouvaient rester en périphérie et tirer, et on peut les oublier un peu, entre guillemets, autant ceux-là, c'est un peu plus chaud, parce qu'ils doivent d'office s'approcher, et c'est pas évident. Artillerie à décharge, hein, 4500 unités. 9000 unités. Bah, quoique, ils ont quand même des tirs qui peuvent aller loin. 7500. Artillerie pyroacide lourde. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, mais j'ai pas de chantier naval. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est dévoré. Ni de gestation, c'est chantier naval. Donc attends, déjà, je vais amener cette flotte ici. Oula! Ok, mais là pour l'instant je n'ai rien de prêt. Donc je peux rien faire. Par contre je peux peut-être investir pour des ressources. Ah oui, je peux avoir qu'un seul par monde, c'est vrai. Mais je peux changer. Du coup, 10 de biomasse à chaque tour. Bah oui, de la ressource. Réduit, retarde les assauts. Régénère entièrement les troupes. De la ressource.
Et du coup, comment je vois combien de temps il va falloir avant de tout bouffer? Parce que là, c'est pas encore bouffé, tout ça. Pour l'instant, personne ne m'attaque. Ah ouais, par contre, je suis vraiment au centre. Ah, soit le chaos pourrait attaquer l'Imperium par là, ce qui m'arrangerait. Mais sinon, là, le chaos peut venir d'ici, l'Imperium de là. Ah, ça y est, je peux recruter. Pinces géantes. Ah, voilà les fameuses pinces. Les vaisseaux tyrannides équipés de pinces sont immunisés aux dégâts d'épronage frontaux et ils infligent 30 de dégâts de mêlée qui ignorent le blindage toutes les 2 secondes. Ah. Ignore les dégâts d'épronage frontaux. C'est vachement bien ça. J'en ai moi. Un Void Prowler. Non, c'est pas ça. Ah si, lui aussi il a des pinces. Ah oui, il y en a plein en fait. D'accord, donc ces trucs-là, c'est pas... Ça n'a pas de pince. Ok, je veux des vaisseaux à pince, parce que moi, j'aime bien jouer pince. J'aime bien jouer les charges. Bon, bah ok, hein, j'en prends un de plus. Ça paraît pas mal. Oh, et il a récupération rapide aussi, lui. Bon, par contre, 370... Ah ouais, je... Ouais, mais... Je peux attaquer ni là, ni là, moi. Mais là, je comprends pas. Ces mondes-là, ils sont bouffés ou ils sont pas bouffés? Comment je peux voir? Je sais que ça prend 3 tours pour manger. Régénération des troupes par tour. Ah oui, voilà, 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 c'est bon. Ah, encore 2 tours et j'ai tout bouffé. En attendant, merci, si l'Imperium pouvait s'en prendre un petit peu au chaos ou vice-versa, ça m'arrangerait. Merci, je travaille pour Bellator pour les 5 mois. Retour d'un consanguin sans internet qui survit en mangeant des pâtes dans son appart, étudiant de 15 mètres carrés. Il faut pas sub alors. Bah, merci beaucoup, mais si tu manges des pâtes et que tu n'as pas, achète-toi de la mayonnaise pour mettre sur tes pâtes au lieu de mettre un sub. Tu aurais pu manger de la viande ce soir. Ben oui. Mais merci beaucoup. mince, qu'est-ce que je voulais faire moi? Ok, je suis toujours en négatif, mais du coup, dans un tour, a priori, je vais me faire masse bouffe en fait. Prochain tour, je vais avoir masse bouffe. Je manque pas d'argent, juste de talent culinaire. Ah, parfait, alors tu es pardonné. Ça a marché? Dévoré. Oh. Ah oui? Merci d'avoir rejoint. Ah ouais, donc quand un monde est bouffé, on se fait masse pognon. Merci Fetirix pour les 16 mois. Petit bonjour de bon matin. Bonjour à toi. 2000 de biomasse. Ah ouais. Bon, faut se garder une poire pour la soif, évidemment. Ah, je peux plus mettre grand chose. C'est quoi ça?
Tir frontal à 9000 unités. Oui, voilà ça. Ah bah non, il y a plus la place. Je vais me faire une deuxième flotte. Allez. Boulet de démolition biomorphe. Le vaisseau ruche tyrannide étend sa langue à partir de la proue sur un angle de 45 degrés sur une longueur de 4500 unités, repoussant le premier vaisseau qu'elle touche en lui infligeant 400 de dégâts, ignorant les boucliers. Lance une spore vers un emplacement spécifique. Lorsque celle-ci atteint sa destination ou heurte un vaisseau, elle s'arrête et explose au bout de 5 secondes, créant un champ de spore. Inflige 5 points de dégâts par seconde à tous les vaisseaux non tyrannides se déplaçant à l'intérieur du champ et réduit la vitesse des vaisseaux ennemis de 50%. Ok. Oh, le fameux canon à bave. Ça me plaît bien, ça, la langue, là. Il a pas l'air d'avoir de pince non plus, lui, à l'avant. Non, il a pas. Lui, c'est un artilleur, batterie pyroacide. 9000 unités, ok, d'accord. Ça, c'est quoi la différence ? Batterie bioplasma, 4500 unités. Batterie pyroacide, 9000 unités. Elle va pour ça. Ah ouais, il y a celui-là qui tire d'assez loin aussi, je crois. 9000. 7500. 4500. 9000. Bah voilà, deux flottes. Je pourrais même enlever une troisième, mais alors là... Ah oui, mais non, j'ai plus de quoi recruter d'autres vaisseaux. Je vais attendre le prochain tour, me recruter quelques vaisseaux supplémentaires. Donc en fait, oui, bon, ok, tyrannide, ça passe, quoi. Si je dois suicider des vaisseaux et puis revenir, bon, on préférerait les garder, mais ça passe. C'est pas catastrophique comme l'Imperium. On pourrait en avoir un de plus à pain, s'il vous plaît. Ah non, merde, ça passe pas. 408. Oh. Ouais, vas-y, c'est bon. Tant pis. Allez, hop, 360, 370. C'est chaud quand même, il y a du monde, là. Ici, 380, 390. Pouah. Une autre flotte alors, une troisième flotte. Merci Mighty Gabian pour les 7 mois. Le nom de ton chantier de construction, c'est quand même Bellis Corona. On a enfin trouvé l'origine du canard de virus. Ah ouais, attends, moi je suis le Corona de l'espace, là, ça rigole plus. On peut pas le manger celui-là ? Y a rien à bouffer ? Monde minier, non apparemment. Canon à bave, c'était quand même sacrément violent. Plairait bien de pouvoir en faire un peu plus. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Ça fera l'affaire. Voilà. Là, on va être bien, là. Alors. Ordre de déploiement. Non, je peux pas déployer tout le monde, évidemment. Pas mettre les petits. Ah ouais. En fait, j'ai pas trop le choix. Bon bah ceux-là arriveront après, hein, tant pis. Bon et du coup sachant que... Ah ouais, faudra que je gère quand même ça. Faudra que je fasse gaffe. Ah oui, on les voit bien les pinces. Ok, y a pas de doute. Donc faudra que je fasse gaffe du coup à gérer mon income par rapport à... Parce que bouffer un monde ça prend 3 tours quoi.
Donc faut pas trop se retrouver en négatif. C'est quoi ça? C'est parce que c'est le vaisseau amiral? Probablement. Donc les pinces ignorent les dégâts frontaux. Donc lui. Lui. Pas lui. Ah oui, lui c'est plus un canon en fait. Lui c'est un torpilleur. Encore des pinces. Ok, j'en ai quand même quelques-uns, donc il faudra qu'il fonce. Est-ce qu'il y a des défenses? Non, il n'y en a pas. Hein. C'est pas de la capture de points. Alors, lui, il tire. Batterie pyroacide. Donc, tu vas tirer de côté. Tu vas engager. Tu vas mettre comme ça. Il tire à 13005. Donc, voilà. Lui. Tentacule. Il balance à 13005 aussi. De face, engage automatiquement. Clac, clac, 13005, voilà. Ah merde, lui par contre il a deux trucs bien différents. C'est soit de face, soit de côté. Plutôt de côté alors. Non, de face. ok, frontal. Et comme ça, moi, je jouerai avec ces trois-là, principalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'assaut, de l'assaut, de l'assaut. C'est les trois exactement même, en fait. Ah, apparemment, à part un qui a la récupération rapide de bouclier. Ok. Ok, par contre, il tire de côté. Ah si, si, il y a des défenses. Ok, on va les ignorer. On va passer dans les champs d'astéroïdes, hein, vu que ça ne me fait rien. Ok, il y a deux flottes. Peut-être essayer de me précipiter sur... sur la première. Dès qu'ils vont me voir, je vais balancer les charges avec les pinces. Ils ont la glande surrénale aussi. Pourquoi je peux pas l'activer pour l'instant? Ah bah oui, parce qu'elle a pas le... Ok. Très bien. Alors. J'espère avoir la portée. Je crois que je dois l'avoir là. Ok, one shot. Glande surrénale. Merde, raté. Voilà, bouffe-le! Attendez. Stop, 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 stop. Ah ouais, lui il a le canon à bave. Est-ce que je peux utiliser de l'abordage quelque part là? Oh merde, il va mourir lui. Ouah, c'est chaud quand même. Hein. Bouclier, bouclier. Pas de bouclier sur celui-là. Je pourrais neutraliser le petit assez facilement.
Mais non, je peux lancer l'assaut sur lui. Ah oui, c'est juste que j'ai pas la portée en fait. Ah, les assauts peuvent passer à travers. Dégage. Voilà. Ok, il m'en a tué un. Il continue à le manger là ? Oui, apparemment. Alors, ça arrive par là avec des vaisseaux un peu plus gros. Ok, celui-là est cuit. Alors, priorité sur celui-là. Alors, toi, tu dégages. Voilà, comme ça, celui-là, on n'en parle plus. Attends, il a pas de pince lui, hein. Merde, c'était pas ça. Bon, ils arrivent là ou... Aïe merde, il y en a un là. Dégage, dégage, dégage. Voilà, c'est bon. Summon the electric. Oui, 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 canon à bave. Il est dedans. Non, non, casse-toi, toi. Balance juste ça. Ok, les renforts commencent à arriver. Ouah, le feu. Qui leur arrive. Encore perdu un vaisseau. Ok, on est pas mal. Le jet de bave, il faut vraiment que je le refasse. On va être pas trop mal. Ok, voilà. Et il faut que je charge sur l'autre. Allez, mange-le! Oh, ils arrivent là, les autres? Ils sont en route, hein, mais... Oh, il a pris si cher lui. Non, 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 non. Alors. Ah,
Ah oui, on le voit qu'il le grignote. Voilà. Allez, fous le camp. Ah, je suis planqué derrière les débris. Oh, ça aussi, c'est un truc qu'il faut tellement apprendre à faire. Gérer ça. Ok, je pense que je peux en finir avec. Non, il s'est arrêté. Oh, le salaud. Par contre, il a le feu, mais moi aussi. Ok, ça arrive pour la suite. Quand je les bouffe, ça me crée... Ça me crée un incendie. Eh, il me voit pas. Je lui tire dessus, mais je suis invisible. Tu peux pas balancer un assaut, toi? Non. Il est mort. Bah, c'était frontal. Soi-disant, ils sont immunisés aux dégâts. Comment ça? Immunisés aux dégâts de face. Petit jet de bave. Voilà, incendie total. Parfait. Ah, pour aller chercher les défenses. Ouais. Boulet de démolition, vaisseau rouge, étend sa langue de la... Repoussant les vaisseaux qu'elle touche en lui infligeant 400 de dégâts. Je suppose que ce genre de truc, par contre, si je vais la bouffer de face, elle va rien pouvoir faire, quoi. Mais bon. Ils vont quand même me faire mal. Ouais, ils vont me tomber mon bouclier. Le cercle bleu, c'est la portée de mon truc. Attendez, je veux vérifier. Donc là, je suis à portée. Ou ça n'a rien à voir? Si, ça a l'air. À peu près. Pourquoi j'ai pas fait ça?
Va sur celui-là, toi. Ouais, mais c'est bon, ils ont à peine commencé à me gratter mes points de vie. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Oui, d'accord, mais ils font rien. D'avoir rejoint l'Omnifion. Bah voilà. Bon, bah ça aura coûté quand même, hein. Merci Léorio pour les 11 mois. Presque un an, on continue comme ça. Merci beaucoup. Merci Shamaning pour les 8 mois. Plus qu'un mois avant le bébé, pourvu qu'il soit consanguin lui aussi. Bah ça, a priori, t'es censé le savoir à la conception. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un papillon qui traverse le jardin? Oh, qu'il est casse-couille. Merci coach Claudius pour les 10 mois. Et merci Mighty Gabian pour les 7 mois. Je sais pas si j'ai dit tout à l'heure. Le nom de ton chantier de construction, c'est quand même Bellis Corda. Ah oui, si j'ai dit tout à l'heure. Merci. Flèche! Flèche! Viens ici! Et allô? Et allô? Et alors ? Bien sûr, tu t'emmènes dans le film. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, viens. Allez, viens. Allez, grave. Mais non, mais. Il a peur de venir sur mes genoux, alors que d'habitude, il demande que ça. Tu viens ? Summon the Elector Counts. Il ne veut pas. Quand je dors dans le fauteuil, tu me sautes dessus. Mais venir sur les genoux, non. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Merci Technox pour les 2 mois. N'oublions pas le Prime qui dort. Merci beaucoup. Mais me regarde pas comme ça. Summon the Elector Counts. Ah, c'est terrible, hein. Il voudrait bien, hein, mais il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui. Merci. À la Fondor pour les 2 mois. Mais il veut pas venir. Alors, Force Vanguard, les tyrannides peuvent utiliser des ressources pour déployer la présence tyrannide dans un système ennemi. Cette présence évoluera au fil du temps et les effets suivants s'appliqueront. Ombre du Warp, culte de Jen Stealer, signal du patriarche Jen Stealer, flotte Vanguard, Space Hulk, infesté. Force Vanguard, une fois déployées les forces Vanguard dans un système ennemi, vous pouvez suivre la progression de l'effet grâce à une icône dédiée. Et comment qu'on fait ? Donc, un système ennemi. Touche pas à la monnaie. Merci Lexo pour le Prime, bienvenue à toi. Donc un système ennemi, où est-ce qu'il y a, je sais pas. Monde biomasse vidé. Ah oui, si je le bouffe. Ah voilà, Force Vanguard, ça coûte 100. Vous pouvez dépenser des ressources pour déployer une présence tyrannique dans les systèmes hostiles. Allez. Ok, du coup voilà. L'ombre warp réduit de 1 la bravoure des vaisseaux ennemis dans le système adjacent. Si je patiente, en gros on va passer à...
Les vaisseaux ennemis souffrent d'une pénalité de 10% de chance de réaliser un critique sur leurs actions d'assaut. Les points de coque des défenses ennemies dans le système sont réduits de 50%. Permet aux flottes tyrannides de se rendre dans ce système depuis n'importe quel endroit pour un point de déplacement. Cet effet est cumulable. Comment ça cumulable ? Fait apparaître une flotte vanguard tyrannide dans un système hostile afin d'affaiblir ses défenses ? Ah ouais, d'accord. Donc en gros, une fois que je lance ça, plus ils patientent, plus ça va être terrible. Mais alors, du coup, ils peuvent se défendre ? Ils peuvent se défendre et éliminer ça ? Comme ça, moi, je me focalise sur ce truc-là, mais... Bon, j'ai toujours mes trois flottes. Oh putain, j'ai quand même pris tarif. Alors ça, ah oui, par contre... Je vais générer 1400 de ressources. Ouais, c'est quand même pas foufou. Faut quand même que je... Ouais, ça va, ça coûte pas si cher que ça. C'est quoi ça? Carapace à pointe, champ de sport, rôdeur du vide, permet un vaisseau rush... Ah oui, c'est ça qui permet de se téléporter. Ah mais j'ai rien, j'ai aucune disponibilité pour ça, en fait. Donc dans 3 tours, je me fais 1400. Ah du coup, faut quand même bien gérer ses ressources. Hein. 130, 350, et ici ils ont quoi? 370, 360. Ok. Augmente de 5 degrés par seconde la vitesse de rotation du vaisseau. Laisse le vaisseau en mode furtif tant qu'il ne bouge pas. Oui. Tant que le vaisseau est en mode rechargé, la vitesse de régénération de son bouclier augmente de 100%. Ouf, c'est pas mal ça. Chaque champ de sport contient une portée d'identification de 9000 unités. Oui. Les vaisseaux ruches obtiennent l'attribut contrôle synaptique. Le vaisseau est immunisé contre la perte de morale tant qu'un vaisseau allié doué de contrôle synaptique se trouve sur le champ de bataille, la valeur de morale des vaisseaux alliés dotés de liens synaptiques ne peut pas chuter sous 100. Ok, réduit de 50% le temps de rechargement des armes à bioplasma et pyroacide lorsque les vaisseaux se situent dans les nébuleuses ou les champs d'astéroïdes. Le vaisseau obtient la compétence infiltration tyrannide qui agit comme une frappe éclair. Je crois que le mieux c'est ça. Hein. Régène du bouclier qui augmente de 100%... En mode rechargé, c'est vraiment pas mal. Mais on va s'arrêter là par contre, YouTube. On se retrouvera la prochaine fois pour poursuivre, c'est quand même trop cool. Et j'ai envie de découvrir les Nécrons du coup après. Voir si les gameplays sont vraiment à ce point différents. C'était quand même dommage qu'il n'y ait pas plus de campagnes avec des races différentes. Mais bref. Allez, à bientôt, des bisous.